Bonjour, Jean-Philippe, je vais vous présenter le Châteauneuf-du-Pape, Bonpas. Châteauneuf-du-Pape est le cru le plus prestigieux de la vallée du Rhône et très certainement de toute la France. Châteauneuf-du-Pape est une appellation d'origine contrôlée, ça a été la première, créée en 1936 et qui a défini des règles de production très précises. Je parle bien de production et non de fabrication. La différence est subtile, mais on ne fabrique pas le vin. On produit le vin, on aide le raisin à s'épanouir, à se transformer en vin, pour au final avoir l'expression même du terroir. Le terroir si spécifique à Châteauneuf-du-Pape. Notre Châteauneuf-du-Pape est issu de deux types de terroirs. Terroir à galets roulés, terroir de sable. L'un confère la structure au vin, la complexité. L'autre, l'élégance, le raffinement. C'est ce que l'on retrouve en assemblage, en élevage, en foudre, pendant une durée de 8 à 10 mois. La dégustation est caractérisée par des arômes très spécifiques à Châteauneuf-du-Pape, de tabac blond, de garrigue, d'olive noire. La bouche est ronde, onctueuse, sans aucune agressivité. Des tanins raffinés, élégants, qui finissent sur une douceur que j'affectionne tout particulièrement. Ce sera le compagnon idéal sur un tourneau d'eau au beurre truffé ou tout simplement un gâteau au chocolat en fin de repas. Je vous souhaite une excellente dégustation.